Alléluia. Oh Jésus, merci.
a permis d'accéder dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe au chapitre 55, le verset 6e, la Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh, avant de continuer, j'aimerais appeler quelqu'un à faire monter une prière de repentance devant le Seigneur. De nous dire, Seigneur, la Bible déclare que tu ne te lasses pas de pardonner. La Bible dit, ta droite n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos fautes qui t'empêchent. Nos fautes peuvent rendre ta main droite impuissante pour agir en notre faveur. Jésus, nous t'accueillons ce soir et te prions de pardonner nos péchés, de nous laver de toute iniquité, de nous purifier, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que ton sang puisse nous laver et laver chaque personne qui est connectée ce soir. Que chacun de nous qui est connecté soit lavé, soit purifié. Oh, non pas par autre chose, mais par le sang de Jésus de Nazareth. Par le sang de Jésus de Nazareth. Par le sang précieux de l'agneau, alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui lave et purifie de toute iniquité. Seigneur, nous fléchissons nos genoux devant toi. La Bible déclare que tu ne te lasses pas de pardonner. Seigneur, tu ne te lasses pas de pardonner. Lorsque nous revenons, tu nous attends. Alléluia. Tu es le véritable Père qui attend tes enfants, Seigneur mon Dieu, pour leur accorder la miséricorde, Seigneur de Tout-Puissant. Viens, Jésus, par ton sang, viens laver, Seigneur. Viens ôter le mal. Viens ôter l'iniquité. Viens ôter l'incrédulité. Viens ôter les animosités. Viens ôter les péchés sous toutes ses formes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Purifie mon corps et mon âme et mon esprit. Alléluia. Alléluia. Nous nous approchons de ton trône, Seigneur. Laisse que chaque personne qui est connectée ce soir soit lavé et purifié de toute iniquité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Adore avec moi. Adore avec nous ce soir. Et n'oubliez pas de partager ces moments afin que plus d'une personne soit bénie ce soir. Nous élevons le Dieu des promesses. C'est lui qui t'a affranchi. Oh, alléluia, dans nos maisons, dans nos chambres, dans nos salons, dans nos voitures, peu importe là où tu es. Lève ta voix et adore le roi des rois. C'est lui qui a payé. Il a payé pour ta liberté. Quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Il est le Dieu qui parle. Et alléluia. Dans mon cœur. Je t'invite à lui, je t'invite à lui ouvrir le cœur aujourd'hui. Parce qu'il va te parler, guérir ton âme. Alléluia. Il va guérir ton cœur. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Alléluia. Oh, je comprends.
merci. Et ta vie à chaque. Nous adorons le roi de rois, le Seigneur, le Seigneur. La main cachée, le fils de la vallée. Et ta vie à chaque. Ta vie coule comme un torrent dans ma vie. Alléluia. Oh, tu es la source intarissable de révélation de Dieu. La source de vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Oh, et bien le bon berger va nous parler ce soir. Alléluia. Intarissable de révélation, tu es le Dieu tout puissant. Oh, que quelqu'un puisse commencer à élever sa voix et à bénir le nom de l'Éternel. Je vais entendre quelqu'un bénir le nom de l'Éternel. Je vais entendre quelqu'un lui dire qu'en dehors de toi, je n'ai point d'autre Dieu, Seigneur. Laisse que ta vie coule comme un torrent sur moi. Demande à ce que la vie de Dieu soit ton partage. Commence à prier. Demande à ce que la vie de Dieu soit ton partage. Que la vie de Dieu coule tel un torrent sur toi. Qu'il te lave de tout péché. Qu'il te lave de toute iniquité. Qu'il te purifie ce soir. Qu'il te blanchisse ce soir. Demande à ce que la vie de Dieu, qu'elle descende sur toi. Que la vie de Dieu, qu'elle vienne sur toi. Que la vie de Dieu te lave. Que la vie de Dieu te purifie. Toi qui es connecté ce soir, demande à ce que tu ne puisses pas terminer ce culte tel que tu es maintenant. Mais à la fin de ce culte, que tu dises, oui, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a lavé de toute iniquité. Le Seigneur, oh, l'eau de vie a coulé sur moi. Mon âme, mon cœur, mon esprit, tout en moi a changé. Je vais entendre quelqu'un dire, Seigneur, oh, à la fin de ce culte, je serai quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Merci au Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci au Père. Alléluia. Merci au Père. Oh Jésus. Alléluia. Merci Christ, Dieu d'amour, tendre et fidèle Père. Alléluia. 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 Mon âme est bénie, le roi de rois ce matin. Je t'ouvre mon cœur que tu me parles ce soir, que tu me transformes ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci ô Éternel. Merci ô l'Éternel. Merci ô l'Éternel. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tout est en toi, Seigneur. Tout
est en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Hosanna, alléluia. 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 Alléluia.
voix s'unisse en ton nom, tu es là, Seigneur. Père, nous t'accueillons au Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre contrôle de tout, Seigneur, béni et Père éternel ce soir. Viens nous parler, nous faire du bien. Viens nous conduire dans ta présence, dans l'adoration et dans la louange. Viens nous conduire surtout dans cette partie de la parole, Seigneur, et des prières. Parce que nous avons parlé pendant 4 jours. Nous aimerions prendre un temps de prière ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Dans le nom précieux de Yehoshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Plus que toi. Ce soir, pour le 5e jour de notre séminaire sur les clés pour l'accomplissement des promesses. Alléluia. Les clés pour l'accomplissement des promesses. Amen. Je vais lire une écriture qui nous a été donnée. Alléluia. Pendant ces 5 jours, pendant ces 4 jours passés, nous avons eu le pasteur Henri Papa le premier jour. Nous avons eu le pasteur Didier Mungwana. Nous avons eu le pasteur Florin Canto. Après, nous avons eu le pasteur Hugues Tissungu. C'était hier. Et aujourd'hui, je vais essayer de parler tout un petit peu pour pouvoir, afin, nous conduire tous dans la prière. Amen. Alléluia. Je vais lire une écriture qui a déjà été lue. C'est dans Ésaïe chapitre 55, les versets 10 et les versets 11. La Bible nous dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux. » Ésaïe chapitre 55, les versets 10 et 11. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un bon amen? La Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Alléluia. Il en est de même de toute parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des clés pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans notre banderole de cette année 2020, il est mis année d'accomplissement.
C'est une année où nous voulons voir la parole de Dieu se matérialiser dans nos vies. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Nous voulons voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous voulons voir les promesses de Dieu devenir chères. Les promesses de Dieu se matérialiser dans nos vies. Parce que donner une promesse, c'est bien. Mais lorsque ça s'accomplit dans ta vie, c'est encore mieux. Alléluia. Alléluia. Les clés pour l'accomplissement des promesses. Vous savez, ici, la Bible nous dit que la parole de Dieu, Dieu nous dit que ce qui sort de sa bouche, c'est comme la pluie et la neige qui descendent du ciel. La promesse de Dieu, la parole qui sort de la bouche du Seigneur, est semblable, il donne l'image de la pluie et de la neige qui descendent du ciel. Il dit sa parole ne peut pas sortir et ne pas accomplir la mission pour laquelle elle a été proclamée. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort de ta bouche, elle est censée s'accomplir. Pourquoi est-ce qu'elle donne cette image? Parce qu'on n'a jamais vu la pluie descendre du ciel et retourner au ciel. Amen. Lorsque la pluie descend du ciel, la pluie est censée toucher le sol. Amen. La pluie est censée toucher le sol. Il n'y a aucune puissance pour retenir aussi longtemps la pluie dans l'espace. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a déclaré sur ta vie va s'accomplir. Donnez-moi un amen, frère. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu a proclamé, ça est censé s'accomplir. Parce que lorsque Dieu proclame, personne ne peut retenir cela. Il donne l'image de la pluie. Alléluia. Vous savez, une fois j'ai prêché cela, il y a une pensée qui m'est montée à cœur. J'ai dit, mais la Bible déclare que Daniel, lorsqu'il s'est mis à prêcher, plutôt à prier, la Bible dit lorsqu'il a eu à l'idée de prier, et le Seigneur avait dépêché un ange qui est descendu du ciel avec la réponse à sa prière. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que cet ange a été retenu dans les espaces. A été retenu dans l'espace et la promesse de Dieu que Daniel attendait n'était pas descendue. Mais laisse-moi te dire, même s'ils se sont levés contre l'ange qui descendait avec la réponse de Daniel, mais ils n'ont pas pu retourner la promesse au ciel. Amen, bien-aimé. J'ai dit ce soir, celui qui a bloqué ta promesse, ses mains ne sont pas infaillibles. Il n'y a que les mains de l'Éternel qui sont infaillibles. Et ce soir, la prière de ce soir va faire en sorte que tout sera déclenché. Tout sera déclenché et cela va t'atteindre ce soir. Donnez-moi un amen. Alléluia. La promesse de Dieu, personne ne peut bloquer cela. Écoutez, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses les noter même. L'accomplissement d'une promesse ne dépend pas de la beauté de la promesse. L'accomplissement d'une promesse ne dépend pas du temps que prend la promesse. L'accomplissement d'une promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Amen. Donnez-moi un amen, frère. Amen. Non, l'accomplissement d'une promesse ne dépend pas de la promesse elle-même. Mais ça dépend de la personne qui a accompli, qui a prononcé la promesse. Amen, bien-aimé. Si nous croyons à la promesse, ce n'est pas par rapport à la promesse elle-même, mais par rapport à celui qui a déclaré la promesse. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, les versets 23, retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Oh, amen, bien-aimé. La promesse ne dépend pas, bien-aimé, de la promesse elle-même. L'accomplissement de la promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas à la promesse, regarde à l'auteur de la promesse. Amen. Alléluia. Regarde les capacités de celui qui a fait la promesse. Est-ce que la personne qui t'a fait la promesse est capable d'accomplir ce qu'il a dit? Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un bon parleur. Notre Dieu n'est pas un magicien. Notre Dieu n'est pas un dragueur, bien-aimé. Notre Dieu n'est pas celui qui parle en l'air. Alléluia. Lui-même, quand il dit quelque chose, il sait qu'il va l'accomplir. Mais ne regarde pas que ta promesse est tellement grande.
Mais qui peut accomplir cela? Même lui? Non, Dieu, lorsqu'il proclame quelque chose, il est capable de l'accomplir. Moi, je ne regarde même pas la promesse, mais je regarde plutôt à celui qui a fait la promesse. Amen. La promesse elle-même, bien aimé, c'est une action. J'ai aimé, le pasteur Henri Papa nous a dit que la promesse, une des clés de l'accomplissement de la promesse, c'est dans l'action. Amen. Amen. Et la promesse, en fait, c'est l'action de promettre. Et promettre, c'est le fait de s'engager de façon verbale, amen, ou par écrit, à faire ou à donner quelque chose. Donc c'est un engagement de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne regarde pas, regarde à celui qui s'est engagé à te faire du bien. Celui qui s'est engagé à te faire du bien, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur lui-même. Amen, bien-aimé. Il a démontré à travers le temps sa capacité d'accomplir les promesses. Notre Seigneur nous a démontré qu'il est capable d'accomplir les promesses. Amen. Amen. Il a démontré à travers les temps. Quand nous regardons les hommes de Dieu qui ont pris la parole depuis lundi, ils nous ont démontré comment est-ce que Dieu a accompli des choses avec Abraham. Comment est-ce qu'il a accompli des choses avec Moïse. Il a accompli des choses avec Élie, Élisée et tous les prophètes. Mais c'est Dieu nous a démontré de quoi il est capable. D'ailleurs, l'accomplissement des promesses ne dépend pas de mes capacités. Ça dépend de ses capacités à lui. Amen. Oh, je ne regarde pas mes promesses, mais je regarde à celui qui m'a promis. Alléluia. David, bien, vous savez, Moïse, devant la mer rouge, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Lui-même n'avait pas de solution. Il n'avait pas une armée. Mais il regardait à celui qui avait dit à mon peuple de sortir et d'aller m'adorer. Alléluia, bien-aimé. Nous avons un Dieu qui accomplit les promesses. Il est le Dieu qui accomplit. Il l'a démontré à travers les temps. Amen. Oh, alléluia. Il s'est engagé à te faire du bien cette année. Ne regarde pas tous ces. C'est une année de grande turbulence et parce qu'il y a de bonnes choses qui sont là. Amen. Et ils sont là pour toi. Alléluia. La Bible nous dit encore dans 2 Corinthiens, chapitre 1. Alléluia. 2 Corinthiens au chapitre 1, on l'a vu encore. Le pasteur Didier Le Moine et le pasteur Hugues en ont parlé. 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 20. La Bible dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mais lorsque nous disons amen, parce que nous avons vu l'accomplissement d'une promesse, ce n'est pas pour notre propre gloire, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est dans le Seigneur Jésus qu'il y a le oui. Mais c'est en Christ qui est l'accomplissement de toutes les promesses. C'est lui qui a déjà Christ. Je veux dire qu'il est déjà dans l'accomplissement des promesses. Alléluia. Oh, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Alléluia. Mais nous avons utilisé, le pasteur Didier a utilisé la fidélité comme une des clés pour l'accomplissement des promesses. Amen. C'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Il ne peut pas faillir. Le Seigneur ne peut faillir, bien-aimé. Quelqu'un d'autre peut faillir, mais pas ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité, j'ai toujours dit, n'a de sens qu'en lui. Il est le oui. C'est dans le Seigneur qu'il y a l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Amen. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, ne sois pas en dehors de Christ. Rentre en Christ Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est en lui que tu verras tout ce que les prophètes ont déclaré. Amen. Alléluia, bien-aimé. Si tu n'as pas Christ, tu ne t'approcheras pas de l'accomplissement de tes promesses. Tu ne mangeras pas les promesses. Tu ne vivras pas les promesses. Parce que si tu vis les promesses en dehors de Christ, alors Christ en ce moment n'est plus le oui. Exactement. Et si tu vis les promesses en dehors de Christ, lorsque tu diras amen, mais ça sera ainsi soit-il par rapport à qui? Alléluia. Tu donneras gloire à qui? Alléluia. Dieu veut à tout moment que la gloire lui revienne. Amen. Voilà pourquoi tu dois être en Christ.
pour qu'il y ait l'accomplissement des promesses que lui Christ a déclarées. Amen. Alors j'ai lu une écriture encore qui m'a fait du bien. Dans Apocalypse chapitre 19 au verset 11. Apocalypse 19, 11. C'est une écriture qui va te faire du bien. Alléluia. Nous allons prier, mais je vais amener quelqu'un à avoir la foi pour prier. Apocalypse chapitre 19, le verset 11, la Bible dit, « Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. » J'ai vu, ici on parle, nous sommes déjà à la fête des noces. Celui qui montait sur ce cheval blanc, son nom c'était fidèle et véritable. Bien-aimé, c'est en Christ, nous sommes heureux parce que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Oh, celui qui est dans le véritable, bien-aimé, sache que toutes les promesses de Dieu s'accompliront. Parce que tu es dans le véritable. Et le véritable est fidèle. Amen. Oh. Et il juge et combat avec justice. Écoutez, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Amen. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Amen. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Ah, donnez-moi un amen. Amen. Les armées qui sont dans les cieux les suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia, bien-aimé. Celui qui a fait la promesse, c'est celui que même tes adversaires obéissent. Amen. C'est lui qui a fait la promesse, c'est lui lorsqu'il dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui a fait la promesse, ne connaît point d'échec. Amen. Je me sens bien parce que ce qu'il a dit sur moi s'accomplira. Alléluia. Amen. C'est en lui qu'il y a le oui et l'amen, nous le disons à la gloire de son nom. Amen. Quelqu'un est là avec moi. Alléluia. La promesse de Dieu s'accomplit en Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, mais si tu ne crois pas en Seigneur Jésus-Christ, tu es loin d'accomplir les promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses se réalise en Jésus. Christ, en fait, en lui, nous avons l'accomplissement de toutes les prophéties. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, il est l'accomplissement de toutes les prophéties. Mais le Jésus est Dieu. Jean chapitre 8, verset 24. Jean 8, 24. Nous n'adorons pas celui que nous ne connaissons pas. Nous adorons celui que nous connaissons. Amen. Amen. Je vais donner les écritures qui vont... La Bible dit ceci, écoutez. Commençons au verset 22. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même pour ce qu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes des semences, moi je ne suis pas des semences. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous êtes là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Bien aimé, la véritable promesse, la promesse numéro un, la promesse des promesses, c'est la vie éternelle. Amen. Tout ce que tu peux avoir ici-bas n'est que passager. Moi, j'ai toujours dit que les mariages, la maternité, alléluia, les travails, l'or et l'argent de ce monde, ce sont des bénédictions annexes. Oh, quelqu'un peut dire avec moi annexes. Annexe. Ce sont des bénédictions annexes. Parce que la bénédiction principale, c'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Et il nous a promis la vie éternelle. Amen. Mais Christ nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Ah, je commence à bien parler. Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous y soyez au... Vous voyez la promesse que Christ nous a donnée. Il a dit, je ne vous laisserai pas dans les bénédictions annexes. J'ai une bénédiction excellente. Amen. C'est que vous viviez l'éternité avec moi. Amen. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre l'éternité avec Christ? Mais tout ce que tu vois ici va être passager. Donc la promesse véritable, c'est la vie éternelle. Amen. Mais ici, Christ
leur dit, si vous ne croyez pas que la version Semeur dit ceci, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. C'est-à-dire que la vie éternelle n'est pas ailleurs si ce n'est en Christ. Amen. Mais tu ne peux pas vivre avec Christ sans avoir Christ en toi. Alléluia. Il leur dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. J'aimerais dire à un chrétien ce soir, toi qui ne crois pas en Christ, il est le Jésus. Mais Christ n'est pas un petit Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta sainteté en dehors de Christ t'amènera à l'enfer. Alléluia. Ah, c'est plus fort, mais je vais le dire. Amen. Tu peux vivre ta sainteté, mais si tu n'as pas Christ, la vie éternelle n'est pas en toi. Si tu ne crois pas que Christ, il est le Jésus, la Bible dit, vous mourrez dans vos péchés. Donc le péché ne peut être ôté que face à celui qui croit que Christ, Jésus-Christ est le Jésus. Amen. Parce que lorsqu'il a rencontré Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit, va dire au peuple d'Israël que Jésus m'a envoyé. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais par-dessus, tu cherches la vie éternelle. Amen. Ne continue pas à vivre dans les péchés. Ne continue pas à vivre dans l'iniquité. Ce soir, je t'en prie, quitte le monde et attache-toi au Seigneur. Amen. Quitte les péchés et viens au Seigneur. Et il te dit, pour que tes péchés te soient pardonnés, tu dois croire qu'il est le Jésus. Amen. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Oh, c'est-à-dire qu'il est le Dieu véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ est le tout dans tout. Amen. Je vais aller vite, nous allons prier. Le pasteur Flamin nous a dit quelque chose de très important. Il a dit, il nous a donné une clé, il nous a dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Galates chapitre 6, verset 9 et 10. Vous pouvez les noter. Il nous a dit, ne vous lassez pas de faire du bien. Amen. Et bien, mais ce n'est pas là où tu as semé que forcément tu vas récolter. Alléluia. Tu peux faire du bien à quelqu'un à qui tu as ça, tu as les récoltes aux États-Unis. Amen. Oh, donnez-moi un amen, frère. Amen. Parce que le Seigneur n'oublie pas aucun de nos bienfaits. Amen. Nous ne devons pas nous lasser de faire du bien aux autres. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le langage est devenu, on se méfie de tous. Bien-aimé, ne tombe pas dans la haine. Soyons de ceux qui ne nous lassons pas à faire du bien. Partout où tu vas, fais du bien. Alléluia. La Bible déclare Jésus-Christ, partout où il allait, il faisait du bien. Ne change pas d'avis parce que quelqu'un t'a déçu. Amen. Que le mal, que les actions mauvaises des autres personnes n'influencent pas ta vie. Amen. Mais surmontons le mal en faisant du bien. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, fais un effort toujours. Toujours. La chair peut te dire, tu en as marre, tu as toujours, les gens ne renvoient pas l'ascenseur, mais toi lève-toi, du Seigneur, tu m'as dit de ne pas me lasser de faire du bien. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous lasser de faire du bien. C'est une des clés. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. C'est des moments merveilleux où nous voulons. Aujourd'hui, je suis venu pour prier. Parce que les dimanches, on va encore clôturer ça. Mais je vais vous donner une dernière clé et nous allons prier. La Bible nous dit à Habacuc chapitre 2. Dans Habacuc chapitre 2. Alléluia. Habacuc chapitre 2. Du verset 1 au verset 4. La Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole que Dieu t'a dite à toi personnellement, grave-la dans ton cœur. Quand tu te lèves le matin, regarde à ta prophétie. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, lis la parole de Dieu là où tu es, vois ton nom. Oh, parce que je vais redire à quelqu'un, chaque fois que tu lis la Bible, tu dois voir ton nom. Amen. Toi qui n'as pas d'enfant, lorsque tu lis Anne, vois Anne, vois ton nom. Alléluia. Toi qui t'avais des moments difficiles, lorsque tu vois Job, vois ton nom. Amen. Parce que dans la Bible, tout y est, frère. Amen.
Et la Bible, Dieu dira ici dans la prophétie de Habacuc, il dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. Lorsque tu brosses les dents dans ta tête, tu te dis, ah, ma prophétie va s'accomplir. Tu sors de chez toi, tu prends ton volant, ça va s'accomplir. Que cela ne s'éloigne pas de toi. Alléluia. Ça devient une préoccupation jusqu'à son accomplissement. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Amen. Alléluia. La Bible dit, attends-la. Je veux dire à quelqu'un, la patience est une des clés pour l'accomplissement des promesses. Amen. Un impatient ne peut pas s'imaginer. Même quand tu es impatient, tu passeras toujours à côté des opportunités. Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 12, soyez plutôt patients dans l'affliction. Alléluia. Amen. Soyez patients, mes bien-aimés. Ne sois pas pressé dans l'accomplissement, parce que c'est Dieu qui gère les choses. Il avait dit à Siméon, il dit, Siméon, tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie. C'est-à-dire, peu importe la maladie de Siméon, peu importe les difficultés que pouvait avoir Siméon, peu importe ce que les gens pouvaient dire sur Siméon, Siméon ne pouvait pas mourir. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Peu importe les afflictions, peu importe les complots humains, tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Parce que tu es censé vivre la prophétie de Dieu. Amen. Alléluia. Alors voilà pourquoi tu dois être patient. Attends à ton poste. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je veux dire à quelqu'un, attends à ton poste. Amen. Si Dieu te dit que ce mariage-là est pour toi, attends. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Même si le frère en question est encore informe et vide. Alléluia. Même quand tu regardes le frère, tu vois qu'il n'y a pas d'avenir. Amen. Amen. Parce que l'avenir du frère, il n'y a qu'un seul qui le connaît. C'est celui qui a dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. Projet de bonheur et non de mal, afin de vous donner un avenir. Ton avenir n'est pas entre les mains de quelqu'un. Amen. Donnez-moi un amen, bien-aimé. La patience, on l'a dit dans cette église, attire le bonheur. Amen. Celui qui est patient vivra le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'abandonne pas la foi. Nous sommes patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Amen. Ce n'est pas le moment de lâcher, peu importe les afflictions. Donnez-moi un amen. L'avènement de l'Église est la promesse. Vous savez, l'avènement du Seigneur, c'est la promesse la plus ultime. Alléluia. Amen. Reste patient, frère. Ne tombe pas, n'abandonne pas. Même si c'est dur, les tentations, les séductions augmentent. Mais toi aussi, augmente la vie de prière. Amen. Reste patient, attends. Alléluia. Attends, parce que la bénédiction principale, si tu l'as, les annexes se suivront. Amen. J'ai toujours donné cet exemple, vous savez, au Congo, on a souvent dans les grandes parcelles, tu vas voir, il y a la maison principale. Et tout autour, il y a des annexes. Vous savez ça? Ah, au Congo, c'est comme ça. Il y a la maison principale et il y a des annexes. Et quand le papa n'a plus beaucoup d'argent, tu vois, dans les annexes, on peut mettre des locataires. Mais lorsqu'il a l'argent, ce sont les oncles, les cousins qui habitent les annexes. Parce que les enfants de la maison vivent dans la maison principale. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre dans la maison principale? Alléluia. C'est ça la bénédiction principale, c'est dans la maison principale. Amen. Nous ne vivons pas dans les maisons annexes, frère. Les maisons annexes appartiennent aux enfants qui vivent dans la maison principale. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous allons prier. Nous allons prier. Nous devons être des hommes d'action, n'est-ce pas? Amen. Oui, nous allons prier. J'aimerais vraiment que là où tu es à la maison, alléluia, donnez-nous des chants, un cantique qui va nous conduire dans la prière. Oh Jésus, alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous voulons vivre l'accomplissement des promesses. Oh Dieu, alléluia. La Bible déclare que celui qui s'approche du Seigneur doit savoir qu'il est vivant, qu'il est réel et qu'il existe. Oh, nous
L'Éternel est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais la première des choses que je me redis, nous avons dit tout à l'heure que nous ne regardons pas vraiment la promesse, mais à celui qui a fait la promesse. As-tu confiance à celui qui a fait la promesse? Celui qui a fait la promesse n'est pas un homme faillible. Celui qui a fait la promesse n'est pas un quelconque roi. Mais il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il monte sur un cheval blanc. La Bible déclare son nom est fidèle et véritable. Alors j'aimerais que tu exprimes ta confiance d'abord en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un d'exprimer sa confiance en l'Éternel. En celui qui est véritable et fidèle. Alors élevons nos voix maintenant, commençons à prier. Commençons à déclarer que le Seigneur est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit un mot, la chose arrive. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, commencer à prier maintenant? Commence à prier, commence à déclarer la fidélité de Dieu. La fidélité de celui qui a fait la promesse d'abord. Il est fidèle dans nos vies. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est Dieu. Ce qu'il dit, il est dit, il l'accomplit. Ce qu'il proclame, il l'accomplit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui veux vivre la promesse de Dieu cette année, c'est l'année d'accomplissement des promesses. Et nous nous disons, Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Nous savons que tu es véritable et que tu ne peux mentir. Alléluia. Si tu déclares une promesse, la chose s'accomplit. C'est même l'attribut de Dieu, la fidélité. Élève ta voix, commence à prier. Et elle commence à prier. Je ne compte pas vraiment sur la fidélité des promesses, mais sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Alléluia. Oh, celui qui a fait la promesse est fidèle. Je compte sur celui qui a fait la promesse. Je compte sur celui qui a fait la promesse. Je compte sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, c'est toi qui es le véritable Dieu. Tu es véritable, tu es véritable. Alléluia. Oh Jésus, tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Je crois en ta fidélité. Voilà pourquoi je sais que la promesse va s'accomplir. Que quelqu'un le proclame. Proclame que Dieu est fidèle. Proclame que le Seigneur est fidèle. Proclame que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Alléluia. Fidèle. Il est fidèle, notre roi. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il a compris ce qu'il dit. Il a été fidèle avec Moïse. Il a été fidèle avec les prophètes. Oh, il sera fidèle avec toi. Proclame, reconnais sa fidélité. C'est un attribut de Dieu. Il est fidèle, notre roi. Il n'a pas changé. Alléluia. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es fidèle. Tu es fidèle, le roi des rois. Parce que ce que tu fais, tu l'accomplis. Alléluia. Fidèle. Alléluia. Promesses ne s'accomplissent qu'en Christ Jésus. Alors, dis-le Seigneur,
Je viens en toi, Père. Je crois en toi, Christ. Je crois que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. J'aimerais que quelqu'un commence à proclamer qu'en dehors de Christ, c'est la mort. Mais que c'est en Christ que s'accomplissent toutes les promesses. Les celles de la vie éternelle, celles d'ici sur la terre, c'est en Christ que toutes les promesses s'accomplissent. Mais est-ce que tu peux proclamer que Christ est Seigneur dans ta vie? Que Christ est roi dans ta vie, que c'est en lui que tout s'accomplit, et qu'aujourd'hui tu prends la décision, alléluia, oh, de proclamer qu'il y a sa seigneurie dans ta vie. Que tu es le Seigneur de ma vie, que tu es le Seigneur, Seigneur de cette âme. Élève ta voix. Nous sommes en train de prier. Alléluia. Il dit, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas que moi Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Aujourd'hui nous croyons qu'il est le grand Jésus. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il est le Dieu tout puissant, il est l'accomplissement de toutes les promesses. En toi nous avons la vie éternelle. Amen. Oh Jésus. Oh Jésus. Tout est accompli. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci au Éternel. Alléluia. Nous avons vu avec vous, le pasteur Henri Papa nous a dit que l'action est une des clés. Pour pouvoir entrer dans ta destinée, toucher à tes promesses, tu dois être en mouvement. Yes. Et j'ai toujours dit, l'Éternel notre Dieu est favorable à la loi du mouvement. La Bible dit dans Genèse chapitre 12, qui nous a exhorté là-dessus en disant, au verset 4, la Bible dit qu'Abraham partit de là. Yes. Abraham s'est mis en mouvement. Oh, toi qui es toujours assis attendant, mais la manne ne tombera pas du ciel. Non, non, la manne est tombée du ciel une fois. Aujourd'hui, tu es censé bouger. Dis à Dieu, Seigneur, montre-moi dans quelle direction je dois aller. Seigneur, montre-moi comment je dois bouger. Montre-moi. Dois-je aller au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Seigneur, révèle-moi là où je dois aller. Car je veux avancer avec toi. Dieu veut voir ses enfants en train de marcher, d'avancer. Seigneur, je veux avancer avec toi. Le dimanche, on avait parlé de quatre lépreux. Les quatre lépreux se sont mis en mouvement. Et dès qu'ils se sont mis en mouvement, la Bible déclare que l'armée des Syriens ont entendu des bruits de chars de feu. Mais lorsque tu mettras en mouvement, tu seras en train de t'approcher de l'accomplissement de tes promesses. Dis à Dieu, je veux être en mouvement, Seigneur. Je ne veux pas être un chrétien en mort. Je ne veux pas être un chrétien fatigué. Je ne veux pas être un chrétien qui n'est pas en mouvement. Je ne veux pas être un chrétien qui attend. Prions le Seigneur maintenant, élevons nos voix, alléluia. Même nous qui sommes ici, élevons nos voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Disons à Dieu, nous avons besoin de toi Seigneur. Aide-moi, dirige-moi, je vais voir où je vais aller. Même Joseph, c'est lorsqu'il est sorti, en allant vers ses frères, que l'accomplissement a commencé. Alléluia. Chacun de pas de Joseph l'approchait de l'accomplissement de sa promesse. Toi qui me suis, mais me lève ta voix et prie. Chaque pas de Joseph l'amenait dans l'accomplissement de sa promesse. N'aie pas peur, mais avance. Alléluia. Joseph est arrivé, dans un rond-point. Il ne savait pas où aller. Un homme lui a dit, prends cette sortie. Alléluia, parce qu'il était censé s'approcher de l'accomplissement de sa promesse. Nous sommes censés être en mouvement, alléluia. Nous sommes censés être en mouvement, alléluia. Alléluia. Joseph dans la fosse, Joseph en esclavage, Joseph vendu, chaque étape de sa vie, il était en mouvement et il s'approchait de l'accomplissement de sa promesse. Je veux dire à quelqu'un, sois en mouvement. Sois en mouvement. Alléluia.
En étant en mouvement, tu t'éloignes de ton passé qui te retient et tu t'approches de l'accomplissement de la promesse. Sois en mouvement. Seigneur, aide-nous à être en mouvement. Conduit par l'inspiration du Saint-Esprit. Guidé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Alléluia, aide-nous, Seigneur. Oh, Jésus, aide-nous. Nous voulons avancer comme les quatre lépreux. Nous voulons avancer parce que Dieu aime lorsqu'on avance. Je veux dire à quelqu'un, avance. Alléluia, avance. Chaque pas t'approche de ton mariage. Chaque pas t'approche de ta bénédiction. Chaque pas t'approche de ton élévation. N'aie pas peur, mais avance. Alléluia. Alléluia. Nous avançons, nous avançons. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, l'air avance. Nous allons dire à quelqu'un, je vais vous demander d'avancer dans la prière encore, de dire, Seigneur, une clé qu'on nous a donnée, c'était que nous devons continuer à faire du bien. Tu ne dois pas te lasser de faire du bien. Dis à Dieu, donne-moi la force, malgré la méchanceté des gens qui nous entourent, malgré la haine des gens qui m'entourent, Seigneur, je vais continuer à faire du bien. Voilà, voilà l'attitude d'un enfant de Dieu. Et lorsque tu vas être téméraire dans l'action de faire du bien aux autres, la Bible déclare que les promesses de Dieu seront ta part. Alléluia. Qu'aucune affliction ne t'empêche de faire du bien. Dis à quelqu'un, je veux faire du bien. Oh, dis Seigneur, je veux continuer à faire du bien. Je veux continuer à faire du bien, Seigneur. Je veux continuer à faire du bien, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oui, malgré la haine des gens. Malgré la méchanceté humaine. Oh Seigneur. Malgré les coups bas, malgré les poids de malade sur le chemin. Seigneur, je veux continuer à faire du bien. Oh, que quelqu'un dise à Dieu, je vais continuer à faire du bien. Seigneur, donne-moi la force et le courage de continuer à faire du bien. Donne-moi la force et le courage de continuer à pratiquer les bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Donne-moi la force de continuer à pratiquer les bonnes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Oh, nous voulons continuer à pratiquer les bonnes choses, à faire du bien. Parce que Dieu nous a appelés à faire du bien. Nous ne devons pas nous lâcher de faire du bien. Nous ne devons pas abandonner de faire du bien. Mais nous devons nous lever et continuer à faire du bien. Alléluia. Parce que c'est une clé qui ouvre les portes qui sont fermées. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Donne-moi un cœur à faire du bien. Donne-moi un cœur à faire du bien. Alléluia. Comme David pouvait dire à l'époque de Saoul. David disait, mais il veut me faire du mal, mais moi je te fais du bien. Alléluia. Et celui qui veut te faire du mal, oh Seigneur. L'amour gagne toujours. L'amour gagne toujours. L'amour gagne toujours. Alléluia. L'amour gagne toujours. Oh Jésus, l'amour gagne toujours. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je ne veux pas m'arrêter de faire du bien pour tout.
La capacité spirituelle, Seigneur. Oh, nous regardons à la bénédiction par excellence. Alléluia. Je ne veux pas me lasser de faire du bien. Jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Je veux dire à quelqu'un de lever sa main. Lève ta main là où tu es. Lève ta main au ciel. Alléluia. Jésus. Nous vivons dans un monde méchant. Nous vivons dans un monde haineux. Les gens sont d'une méchanceté, Seigneur, qu'on ne peut même pas comprendre. Seigneur, les gens haïssent, les gens peuvent détester les gens sans aucune raison. Nous vivons dans ce monde-là. Mais toi, tu nous dis, Seigneur, alléluia, de continuer à faire du bien tout autour de nous. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui a l'amertume dans le cœur, qui a dit, je ne ferai plus du bien tout autour de moi. Je veux dire, Seigneur, Père éternel, oh Dieu, viens briser cela, viens ôter cet esprit-là, au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est en train de freiner, cette personne est en train de freiner sa propre bénédiction. Seigneur, viens ôter, Seigneur, cette haine. Viens ôter, Seigneur, mon Dieu, cette décision de ne plus faire du bien aux autres. Tu nous as dit de ne plus nous lasser de faire du bien. Nous voulons continuer à faire du bien dans le nom de Jésus de Nazareth. Continue à faire du bien dans le nom de Jésus de Nazareth. Yes. Que tous les autres noms disparaissent. Yes. Alléluia. Dieu. Alléluia. Alléluia. Que les autres noms disparaissent. Bien-aimés, écoutez. Nous allons prier pour la patience. Habakkuk, on lui a dit, attends-la même si elle tarde, car elle s'accomplira certainement. Soyez patient dans l'affliction. Alléluia. Et il y a une écriture dans Jacques chapitre 5 au verset 7. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière saison. Nous sommes appelés à la patience ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare que la patience est un fruit de l'esprit. La patience est un fruit du Saint-Esprit. Et que quelqu'un puisse dire maintenant à Dieu, Seigneur, oh Seigneur, viens semer la patience dans mon cœur. Parce que l'impatience m'éloigne de l'accomplissement de ta parole, de la promesse, de tes prophéties dans ma vie. Je m'attends à ça, à ça, à ça. Mais je suis impatient. Non, la patience attire le bonheur. Que quelqu'un va commencer à dire, Seigneur, j'ai besoin de cette clé qui est la patience. Alléluia. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Oh, bien-aimés, nous prions afin que tout ce que les hommes de Dieu ont dit devienne cher dans nos vies. Que quelqu'un dise, Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de toi. La patience dans mon cœur. Je veux être patient. Alléluia. Alléluia. Je refuse l'impatience. Je vais être à mon poste attendant l'accomplissement. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Jésus. Oh! Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, que les écluses des cieux te soient favorables maintenant. Toi qui es connecté maintenant, que les écluses des cieux te soient favorables. Que l'impatience disparaisse dans ta vie. Que l'inaction disparaisse dans ta vie. Que les mauvaises décisions disparaissent dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie disparaisse. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie disparaisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, prends ta place éternelle. Viens, nous voulons vivre.
attendons cela. Nous attendons cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que tu attends, tu vas le toucher maintenant. Dans le nom de Jésus. Qu'attends-tu, élevé? Qu'est-ce que tu as besoin? Alléluia. La guérison, il a dit par mes mains, sur vous êtes guéri. Oh, alléluia. Il l'a dit dans sa parole. Et toutes les autres choses vous seront données par les cieux. Voilà pourquoi j'ai dit d'abord Christ. Mais parce que tu as reçu Christ dans ta vie, toutes ces autres choses, les mariages, la maternité, les travails, la guérison, la paix du cœur, tout seront données au nom de Jésus. Alléluia. Guérison du corps, que le Seigneur te visite.
Celui qui veut voir la maternité dans sa vie, que le Seigneur le visite. Celui qui veut toucher à l'élévation dans sa vie, je déclare que le Seigneur te visite. Le Seigneur va accomplir ses promesses. Il est le oui de nos vies. Il n'a jamais menti. Il est le premier et le dernier. Il a dit à Abraham, 400 ans après, je les ramènerai dans ce pays. Et il l'a accompli, frère. J'ai dit à quelqu'un, il est le Dieu qui accomplit les promesses. Et cette année, dans la cité du Dieu vivant, c'est l'année d'accomplissement des promesses. Ce qu'il a dit sur toi, il l'accomplit. Je veux dire à quelqu'un, là où tu es à la maison, pose ta propre main sur ta tête. Et je vais terminer. Pose ta propre main sur ta tête maintenant. Toi qui es connecté, pose ta propre main sur ta tête. Éternel, je lève ma voix devant toi solennellement. La promesse est un engagement. Et celui qui s'est engagé n'est pas un homme pour mentir. C'est le Seigneur lui-même, créateur du ciel et de la terre. Père, Seigneur, toi tu vois tes enfants là où ils sont. Nous qui sommes ici, ceux qui sont à la maison connectés en ce moment, Seigneur, je t'ai pris. Je t'ai pris de toucher la vie de quelqu'un. Je t'ai pris, Seigneur, de ramener, de rendre palpables les promesses dites sur la vie de quelqu'un. Cette année, c'est l'année d'accomplissement des promesses. Nous ne regardons pas à ce que les gens disent. Nous ne regardons pas, Seigneur mon Dieu, aux spéculations de ces temps de la fin. Nous ne regardons pas, nous regardons à celui qui a fait la promesse. Père, bénis ton peuple. Accomplis les promesses de leur vie. Que d'ici dans cette deuxième partie de l'année, que chacun vive ses promesses. Je les déclare comme ton serviteur, Seigneur. Je les déclare comme un envoyé de Dieu. En ces temps, en ces jours, je dis à quelqu'un, tu vivras. Les promesses de Dieu, dans cette deuxième partie de l'année, tu toucheras aux promesses de Dieu dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que je crois en celui qui a fait la promesse. Utilise les clés. Utilise les clés. Et tu verras l'accomplissement des promesses dans ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous n'attendons que les témoignages. Alléluia. Nous n'attendons que les témoignages. Parce qu'il y en aura des témoignages. De la main, de l'action de la main de Dieu dans nos vies. Il y en aura des témoignages. J'ai ainsi prié sur la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Oh, le Dieu qui accomplit les promesses. Les dieux qui accomplit les promesses. Il n'a jamais menti. 400 ans après, il était là au rendez-vous. Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il était au rendez-vous. Il n'a jamais menti. Voilà. Il a laissé des traces dans le sable du temps, démontrant qu'il est capable. Il a laissé des traces dans le sable du temps, démontrant de quoi il est capable. Et il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui également. Aujourd'hui, il laissera des traces dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, nous lui disons un grand merci. Nous lui disons un grand merci. Alléluia. Nous lui disons un grand merci. Un grand merci pour l'accomplissement des promesses. La foi dans l'accomplissement des promesses. Nous croyons que le Seigneur, il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Aujourd'hui, nous croyons que nous avons nos promesses. Nous croyons que les promesses se sont accomplies et vous les verrez s'accomplir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. À toi la gloire, la louange et la magnificence au siècle des siècles.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce moment béni. D'aime couvrir ton peuple, Seigneur, partout où il est. Et ce dimanche, nous serons ici, Seigneur. Alléluia. Pour clôturer dans ta présence une fois de plus. Pour parler de Kadesh Barnea, Seigneur. Car c'est la promesse ultime, c'est la terre promise. Merci Jésus de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue. Sois avec nous tout au long de cette nuit. Que ta grâce et ta faveur soient en notre compagnie, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui accomplit les promesses de nos vies. Amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Et Jésus prend ta place, Seigneur. Amen.